Ben moi, le bandoneon, c'est le côté fragile, c'est ce côté, ces sons un petit peu plus archaïques que l'accordéon que j'ai pratiqué au début. Donc il y a ce côté qui est fascinant. Souvent, il y a ces notes qui sont un peu... Mais ça se rapproche du langage de l'Argentin, quand il parle, quand il chante. Donc, j'ai commencé le bandoneon un petit peu en jouant en Suisse avec deux Argentins. Et puis là, ils m'ont mis l'eau à la bouche. Je me suis dit, c'est facile, les petits boutons, je peux faire mes petites notes. Mais après, pour le manipuler, je pense que c'est le seul clavier où on joue avec la main qui ne peut pas bouger, se déplacer sur le clavier. C'est un peu comme si un pianiste, on lui dit de jouer sur un grand piano à queue, puis on lui attache les coudes, puis il doit aller à gauche, puis à droite. C'est très, très déstabilisant. En plus, il bouge dans tous les sens. On tire sur une main, il y a l'autre qui part avec. C'est difficile de vaincre toutes ces petites choses. Le bandoneon, c'est un Allemand qui a inventé cet instrument, Heinrich Band, plus ou moins vers 1850. Et c'est un instrument avec lequel on jouait de la polka. Petit à petit, il a disparu en Europe parce que c'est un instrument un peu trop compliqué par rapport à l'accordéon. Et il est, pour finir, apparu en Argentine où il est devenu l'âme du tango. Hay algo, ¿no? De un gusto por la, digamos, por la prolijidad o por la precisión. El hecho de que, bueno, que el resultado sea un instrumento musical, ¿no? Que después lo toque un músico y uno lo puede ir a ver en vivo. Es un extra muy lindo que tiene el trabajo. Hey, Baltasar! Hey, comment est-ce que ça va? Comment? Mucho bien, quoi! Hein? Bien, Felito! Allez, c'est vrai, c'est loco, hein? Directement, c'est. D'accord. C'était. Là. Non. Esta, non? La première. No, mira. ¿Cómo se puede que se entra así? Y a veces si tocas muy fuerte, o quizás si lo desarmaste por algo y se apretó. Se fue al interior. Ah, siempre. Está bien. Sí, perfecto. Ni se lastimó. Sí, te llega a agarrar en un estudio grabando y... Sí, sí, está bien. Un problema. Ce qui me touche beaucoup dans cet instrument, c'est que c'est un Alfred Arnold, c'est un peu la Rolls-Royce du bandoneon. Et puis celui-là, c'est un authentique avec des plaques en zinc et qui a justement un son peut-être un peu plus métallique, un peu plus fort, un peu plus puissant qu'avec des lames en aluminium. Yeah. Je suis venu énormément à Buenos Aires, jouer dans les bars de nuit, avec les chanteurs, avec ces musiciens, les guitaristes qui ont une culture immense. Moi, musicien, je me suis dit, ah, mais là, je me sens plus chez moi, dans mon état d'esprit, qu'en Suisse, où les gens sont plus réservés.
l'instant. Voilà, voilà. Voilà. Je vais prendre, je sais, un quart de kilo, on a tout passé. 40 kilos, oui. Si. Uno. Uno, peso. Voilà. Bueno, gracias. Ma prédilection, c'est de quitter l'hiver suisse où il fait froid. Je ne suis pas très, très hiver et puis je ne fais pas de ski. Puis j'arrive ici, c'est l'été, il fait des températures super agréables et du soleil presque tout le temps. Donc je quitte l'hiver pour arriver à l'été de Buenos Aires. Je nécessite une lampada fuerte. Mm-hmm. Tu l'aimes? Hein? De LED? Ah, mejor, sí. Te la pruebo así. Sí. ¿Ves cómo es la luz? Impecable, funciona. Está bien. Está bien. Gracias, buen día. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Se comunica mejor. Antes era con señas o traía la muestra de lo que necesitaba. Ahora habla mejor español. J'ai fait 2, 3, 4 voyages ici et puis j'ai commencé à tisser des liens. Et je me souviens, une fois, je me suis retrouvé dans la salle d'embarquement et je me suis mis à pleurer. Mais vraiment, à chaud de larmes et tout. Puis j'étais tellement ému. Je me... ah, mais... Et c'est là que j'ai décidé que j'allais revenir. Donc, et puis je me suis acheté un petit appartement, puis j'avais un petit héritage. Alors. Mais c'était très fort. Et ça m'est arrivé juste une fois. Oui, en forme. Oui, oui. Je vais chercher une chaise. D'accord. Ici, la première fois, c'est toi qui fais toute la partie. OK. À la reprise, c'est moi. Mm-hmm. Puis après, quand on passe ici, c'est toi qui fais toujours la... Ah ouais, et tu reprends. Et puis je fais la deuxième partie. Puis on fait les deux fois. Parfait. Empezá con el B directamente, así damos un poquito más de aire al principio. Comencé avec le B, le A, je le fais complet le A et tu commences avec le B. Non, mais comme je te dis toujours, c'est déjà même l'accompagnement, on est en tout cas ça. Moi j'ai trouvé que c'était assez que tu aies joué la mélodie. Ouais, non. Il faut, ouais, faut qu'on puisse mettre un peu de rythme et tout. Que, parce que ça, c'est, oui, on écoute juste une belle mélodie à la guitare, mais on n'est plus tellement dans la force. Non? Alain, il est une jolie personne. Quand il joue, il est un peu speed, peut-être, comme il est dans la vie aussi. Quand tu le regardes, tu l'écoutes, comment il parle. Il est toujours heureux, avec l'envie de faire des choses. Et quand il joue, il fait la même chose. On fait comme ça, peut-être? Si, d'aller. Alors, c'est mieux comme ça, non? Si, non? Ah, oui, parce qu'après, il revient. Si, revient, si, elle revient. T'as une façon. D'aller. Pedro a été guitariste un peu de rock, puis petit à petit, on dit le tango t'attend.
tout d'un coup, ça te prend. Et puis là, ça fait quelques années qu'il s'y est mis. Et donc, il devient passionné de tango aussi. Donc, c'est juste sympathique de jouer avec lui. Ici, les gens aiment la musique. On se promène dans Buenos Aires, on voit à tout moment quelqu'un qui se promène avec sa guitare et tout, mais il peut très bien jouer de la cumbia ou des choses comme ça. C'est un petit monde dans lequel j'ai pénétré. Puis vite, on connaît tout le monde, parce que c'est quand même petit. C'est l'âme du tango. Hein. Le tango sans le bandoléon, c'est un peu vide. Et en orchestre, pour danser, s'il n'y a pas de bandoléon, tout le monde est déçu. Alors ici, on est à La Boca, c'était le premier port de Buenos Aires où tous les immigrés sont arrivés les uns après les autres. Le bandoneur, il est arrivé avec les immigrants, les immigrants qui quittaient l'Europe et puis qui voulaient emporter un peu de musique avec eux parce qu'évidemment, maintenant, on prendra un baladeur ou les petits écouteurs pour son iPhone et tout. Mais avoir de la musique avec ça, la seule solution, c'était d'avoir un instrument de musique. Ça brouillait le monde, et puis c'est le lieu où tout le monde arrivait en Argentine. Ça, c'est le bateau, le campana. 21 jours, les 21 jours de bateau. En deuxième classe, c'est ainsi que je suis venue avec mon bébé de 3 mois. Et nous nous sommes installés ici, et nous avons commencé vraiment la vie des réfugiés. D'abord 10 dans un appartement d'un quartier qui n'était pas fameux. Puis ensuite, nous avons acheté un petit terrain à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires qui paraissait assez campagne, mais qui était modeste, où nous avons commencé à construire de nos propres mains une petite maison qui avait 20 mètres carrés, mais qui n'était que l'embryon de ce que j'avais l'idée que nous pouvions y faire. Je ne sais pas si ça a été fait à Buenos Aires. Non, ça a été fait en Suisse en 1944. C'est quand j'étais fiancée. Là, c'est quand j'étais mariée. Quand je suis venue à Buenos Aires, ça a été la grande découverte de faire connaissance avec la cousine à mon papa. Elle-même, elle a émigré après la guerre. Je ne la connaissais pas du tout. J'en avais entendu vaguement parler. Ça, c'est quand j'étais bébé. Je viens de Yverdon, où je suis née, de Lausanne, qui est ma commune d'origine. Je n'avais pas envie de partir. C'était que j'ai été forcée par les circonstances.
de partir. Parce que, c'était les années tout de suite après la guerre, j'ai connu mon futur mari, qui était un réfugié ex-militaire yougoslave, et il était en stationnement à Yverdon comme réfugié. Alors la Suisse nous a fait comprendre qu'elle ne voulait pas garder tant de réfugiés et qu'il était mieux que nous cherchions un destin à quelque part ailleurs. J'ai eu quelques vilains moments où même la police m'avait une fois arrêté dans la rue en me disant que c'est un gendarme, un policier, je ne sais pas, qui me disait qu'il ne voulait pas que ces sales étrangers volent nos futures jolies petites femmes. Cette phrase m'est restée gravée et ça ne me faisait pas du tout de peine de m'en aller. C'était un défi, peut-être, et j'aime les défis. Je me réjouissais de faire cette connaissance. Et puis, quand j'ai pris contact avec elle, c'était un peu comme si on s'était toujours connus. Et puis, elle est tellement généreuse. Elle m'a tout de suite offert de venir passer un week-end à la campagne, dans sa maison. Et puis, la relation n'a fait que s'intensifier au cours des années. On est à Cardales, ce sont 70 km de Buenos Aires. C'est un endroit, je dirais, privilégié. Il y a un village qui a 114 ans, qui était un village laitier avec une vieille gare. Enfin, ce sont plutôt des gens qui aiment la nature et la tranquillité qui vivent ici. Évidemment, je suis toujours invité là-bas et quitter Buenos Aires pour aller dans la nature, c'est magnifique. J'ai demandé à Bernard. C'était un tel plaisir d'avoir Alain et son enthousiasme et la musique. Enfin, c'est quelqu'un qui est gay. Enfin, je le vois gay, sans complexe, sans complications. Alors, pour moi, c'est quelqu'un de très agréable. C'était vraiment un plaisir pour moi. Christiane a deux enfants. Maintenant, c'est vraiment ma famille argentine. On fait les fêtes de Noël ensemble, le Nouvel An. Voilà, je suis vraiment intégré. Effectivement, il m'attendait à quelque part. Mais il y avait aussi Buenos Aires qui m'attendait avec ma famille ici, que j'ai découverte. Et c'est devenu ma deuxième vie, Buenos Aires.
Ça, c'est un arbre qui s'appelle palo borracho. Palo, c'est bois, et borracho, c'est bourré, quoi, comme, comme bourré en français. Quoi. Et en fait, il a, c'est un arbre qui puise énormément d'eau, et son tronc devient comme un fût. Juste en bas de ma maison, il y a un petit parc, et un jour, il y avait une graine par terre, et je l'ai amené sur ma terrasse, et puis je l'ai posé dans mon pot de fleurs. On dit, allez, tu vas devenir un petit palo borracho. Et puis, avec les années, j'ai un gros palo borracho qui étonne tous les Argentins. Ils disent, comment ça, un palo borracho dans un pot? Ils n'ont pas jamais vu ça. Mais j'en suis assez fier. Ici, on est un quartier un petit peu bourgeois, et puis j'ai des soirées avec des amis où on fait de la musique, comme ça. Il y a des fois des voisins qui sont sur des terrasses et puis qui manifestent, qui applaudissent quand on a fait des chansons, qui participent. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida. Muy bien, maestro. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento. Andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Yo cuando lo conocí a Alan y empezamos a tocar, lo que sentí es que él entendía la música que yo estaba queriendo tocar y por más de que él hable francés, mejor que el español, nos podemos relacionar mucho más desde el lenguaje musical. Yo creo que consentirlo, ese es el tema, es sentir la música, sentir lo que nosotros sentimos al escuchar el tango, interpretarlo y lo que significa para nosotros nuestra idiosincrasia, nuestro folclore. Yo consentir eso, ya, yo creo que cualquiera lo puede tocar, cantar. La frente marchita, las nieves del tiempo plantearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida. C'est pas des émotions précises, mais c'est des émotions très fortes de l'intérieur, de mon vécu, d'un cumul de toutes ces choses-là. Aussi avec la maturité, j'arrive à transmettre. Je vois. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro.